Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés nouvelles du papy, avec au programme du robot, du mecha, de la lecture, de la figurine pop, bref, tout ce que j'aime. Voici d'ailleurs un petit aperçu rapido de ce que nous allons découvrir ensemble. Et je remercie comme toujours du fond du cœur mes différents sponsors et boutiques partenaires, à savoir tout d'abord les éditions Vestron et Fred Weta. Nous avons également donc ma seconde boutique partenaire Dynamite Gunpla et Jean Fifi. Sans oublier également Japanime Saint-Nazaire et puis donc ma femme qui m'a fait quelques petits cadeaux. Voilà, de quoi bien débuter les vacances. Les présentations sont faites, alors passons à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, jingle, youhou! Commençons cette vidéo donc par une enveloppe que m'a envoyé Fred Weta, mon ami Fred Weta, le big boss des éditions Vestron, avec ni plus ni moins que 3 comics Transformers en cadeau. Eh ouais, rien que ça, vous imaginez bien, ça fait hyper plaisir, qui ne serait pas heureux d'avoir des cadeaux comme ça. Donc bref, 3 comics Transformers. Alors le tout premier juste ici, le volume 8, tome 4 de Transformers War World. Voilà, ah, enfin la suite. Voilà. La fin est proche. Toujours de même qualité, mais ça nous en reviendrons, puisque bien sûr, vous imaginez bien que je vous en ferai donc des revues. Ça tombe bien, je suis en vacances, je vais avoir de quoi m'éclater. Vraiment, les vacances commencent super bien. Donc nous avons tout d'abord le dernier volume, donc Transformers War World, suivi du final. Et ouais, la série s'arrête. Transformers Fate of Cybertron. Voilà, un peu triste que ce soit la fin. En même temps, curieux de voir ce que donnera la suite. Est-ce que nous aurons enfin des aventures de nos petites Transformers chéris sur Terre? C'est à espérer. En tout cas, moi, je croise les doigts. En tout cas, voilà, la fin, cette fois-ci, c'est sûr. Ça va faire tout drôle parce que, voilà, c'est une série sur laquelle je m'étais vraiment bien attaché. Et puis, bah, comme toute bonne série, hein, c'est toujours, ou comme un bon bouquin, c'est toujours difficile de tourner la dernière page. Et puis, pour terminer, et là encore, pour mon plus grand plaisir, The Transformers, les années Marvel. Rappelez-vous, je vous ai présenté il y a peu le numéro 1, donc ce sont tout simplement les rééditions des comics Transformers Marvel, sortis donc dans les années 80. La série originale traduite, voilà, et dans son jus, et ça fait super plaisir. Je vais m'éclater avec tous mes vieux souvenirs d'enfance et tous ces super beaux dessins auxquels nous avions droit, typés vraiment, vraiment comics. Hein. Donc voilà, 3 magnifiques comics Transformers. Merci, merci Fred, merci pour ta confiance, merci pour ton amitié, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu le sais, ça compte énormément. Et voilà, je suis juste comme un gosse. Voilà, de quoi vraiment, comme je vous le disais, bien entamer ces vacances. Regardez-moi ça, un pavé comme ça à lire et à m'éclater. Ouais! On continue cette fois-ci donc avec un petit Transformers. Et oui, ça fait énormément plaisir. Vous imaginez bien, depuis tout ce temps que je ne vous ai pas fait une revue Transformers Legacy. Voilà le tout dernier Insecticon sorti, Shrapnel. Voilà, de la gamme Legacy Evolution à l'échelle Deluxe, qui va rejoindre son copain Kickback, ne manquera plus que Bombshell.
Voilà qui s'annonce plutôt bien. Je l'ai cherché pas mal de temps sur les sites Mania Toys et Hasbro Pulse France. Ils sont en rupture malheureusement. Donc voilà, j'étais un peu désespéré. Et puis en farfouillant sur Mamazone, eh bien je suis tombé dessus. Donc à 19,90 € frais de port gratuits. Voilà, je l'ai reçu en 3-4 jours. Bon, ceux qui seront abonnés Prime le recevront, peuvent le recevoir en 24 heures. Donc voilà, 19,90 €, je pense que c'est le prix de vente public. Donc je ne me suis pas fait, je me suis pas fait berner, d'autant plus que je n'ai pas payé de frais de port. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Enfin, un petit Transformers à vous présenter et surtout à ajouter dans ma collection. Passons à présent donc aux dernières réceptions. Voilà, en direct de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Alors, il est assez big, la boîte est assez grande, voilà. Regardez-moi ça en avant-première. Le Gundam Aerial Full Mechanics à l'échelle 1 centième, donc échelle Master Grade. Issu donc de la toute dernière série The Witch from Mercury. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir la version Aerial HG qui part systématiquement, qui est constamment en rupture de stock. Et puis là, à ma grande surprise, le Full Mechanics. Alors ça ne veut pas dire que c'est totalement un Master Grade. On a l'échelle, on a la taille, ça, il n'y a pas de souci. Juste qu'on a certainement moins de gimmicks que ne l'aura le véritable MG. En revanche, le Full Mechanics vous assure des articulations absolument au top, des articulations juste insane. Voilà, j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu les grabs sous sa chaise, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça, le Aerial. Ah! Là 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 là, alors ça vraiment, ça je dois vous avouer que voilà, j'étais vraiment super impatient de le recevoir. On est nombreux à l'avoir attendu et à l'attendre. Voilà, alors je ne pense pas, le socle n'est pas fourni avec malheureusement. Mais bon, voilà, la figurine s'avère de toute beauté. Regardez-moi ça en termes d'articulation. Voilà ce que ça peut, ce que ça, voilà, le rendu pour vous donner une idée. Donc, voilà, regardez-moi ça. C'est juste formidable. De quoi vraiment se faire plaisir à lui donner tout un tas de poses dynamiques. Ah, je suis vraiment heureux. Je ne suis que joie et bonheur. Je l'attendais vraiment impatiemment. Le Master Grade, je pense, sortira peut-être courant de l'année, fin d'année. Mais en attendant, nous avons donc ce magnifique Full Mechanics pour lequel je ferai bien évidemment une revue. Et puis donc, mon petit Jean-Philippe qui, en cadeau, m'a offert justement un socle. Voilà, socle du coup qui ira pour mon aérial. Très joli socle en plastique translucide comme je les aime, avec trois bases, tout un tas de bras articulés et autres. Ça ne nécessite pas de vis contrairement au plus petit socle. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment m'éclater non seulement à le monter durant mes vacances, mais également à vous en faire donc une revue. Voilà, donc de chez Dynamite Gunpla, ni plus ni moins que le Aerial Full Mechanics 1 centième. Yes! Ensuite, donc, deux cadeaux que m'a offert ma femme hier, ma petite femme hier soir en rentrant du boulot. Deux petits cadeaux qui font vachement plaisir. Alors, je sais, vous n'êtes pas tous fans de pop, moi non plus, mais il y a certaines boîtes, certains modèles que j'adore. Et là, franchement, j'ai pas été déçu puisque ma petite femme donc m'a offert, hop là, tout d'abord, voilà. Le petit mignon, le petit Kevin dans la tenue de Bruce Lee du film donc Kung Fu Legends ou je ne sais plus trop quoi, la légende du dragon, voilà, je crois que c'est légende du dragon ou dragon, je ne sais plus. Donc voilà, dans sa petite tenue jaune, je suis fan des mignons, j'adore la série, enfin les films également mettant en scène donc les mignons et Gru. Donc, moi, moche et méchant, voilà, c'est un dessin animé que j'affectionne tout particulièrement, comme Toy Story, par exemple, et les mignons me font, voilà, je les trouve irrésistibles, je pleure de rire à chaque fois que je les vois, c'est vraiment, voilà, ils sont adorables, jolie petite pop, voilà, qui représente bien, donc, notre petit Kevin, à ne pas confondre avec Maman, j'ai raté l'avion. Et puis, donc, la seconde pop. Voilà, la voici, la voilà. J'essaye de la mettre, voilà, un petit peu à la lumière de façon à éviter trop de reflets.
Nous avons cette fois-ci une Pop un peu plus balèze, hein, Pop et son véhicule, donc voilà, Batman tout simplement, puisque voilà, je suis un adorateur des comics Batman. Batman dans sa Batmobile, donc issu du dernier film avec Robert Pattinson. Voilà. Et là encore, c'est vraiment super mignon. La voiture est vraiment bien foutue, c'est cute, c'est détaillé. Voilà. De quoi exposer dans ma pièce du geek. Voilà, très très jolie petite Pop Batman. Vraiment sympathique. Et donc on voit qu'il y a d'autres personnages qui existent. Alors bon, les autres personnages, je ferai abstraction, sachant qu'en plus je n'ai pas vu ce dernier film. J'ai un petit peu de mal avec l'acteur principal, hein, qui jouait donc dans la série Toilette. Et voilà. Mais bon. Ça fait super plaisir. Une nouvelle petite Pop et surtout donc dans sa Batmobile. Et pour terminer donc deux autres cadeaux de ma femme cette fois-ci achetés auprès de ma boutique partenaire Japanim Saint-Nazaire. Et là encore, nous avons du lourd. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce magnifique cadeau qu'elle m'a fait il y a quelques jours. UFO Robo Grandizer. Voilà, la bande dessinée édition limitée donc de Goldorak. Et ouais, ça fait plus d'un an qu'elle est sortie. Ça fait plus d'un an que je me tâte à l'acheter parce que voilà, ce sont des Français qui l'ont fait, donc on n'est plus trop dans le concept d'un manga, mais plus d'une bande dessinée. J'ai longtemps hésité et puis j'ai de plus en plus d'amis qui eux ont craqué et qui me disent non non franchement achète-la, tu vas voir, c'est vraiment du tonnerre. L'auteur et le scénariste sont vraiment très respectueux de l'univers donc de Go Nagai et de notre méca Goldorak. Donc voilà. Donc je l'ai. Voilà, petit cadeau de ma femme donc auprès de la boutique Japanim Saint-Nazaire, donc au prix de 30 euros. Alors c'est marrant parce que l'édition simple fait 25,90 je crois. Et là donc pour tout juste 5 euros de plus, j'ai la version collector avec une jolie couverture qui va bien protéger, vous voyez, un joli coffret qui va bien protéger ma BD, dans laquelle se trouve donc bien entendu la bande dessinée culte, le coffret collector et un ex-libris. Voilà, je vous en ferai bien entendu une critique littéraire au moment venu. Encore de quoi, voilà, me faire plaisir et voilà pendant les vacances avec de la lecture très saine. Ah, mon chouchou, le grand Cornu. Et dernier cadeau de ma petite femme, là encore acheté auprès de ma boutique partenaire Japanim Saint-Nazaire. Regardez-moi ça. Nous avons juste ici donc. Le Gundam RX-93 version 2 du iNew Gundam à l'échelle RG, probablement l'un des meilleurs RG existants. En tout cas, il fait partie du lot. Donc voilà, ce n'est pas du Master Grade, mais ça ne me dérange pas. Le RG est vraiment formidable. J'ai eu l'occasion de voir des photos et des vidéos à son sujet. Et apparemment aussi, malgré sa petite taille, c'est du fun, du fun, du fun à monter. Avec une multitude de gimmicks, d'articulations et autres. Voilà. Tout simplement, donc, un incontournable hein, en RG. Regardez-moi cette beauté. Il est juste formidable. Voilà. Avec toutes ses petites ailes à l'arrière. Grand, mastoc, carré, imposant. Comme je les aime. Voilà. Avec en plus, là, ces deux énormes boosters à l'arrière. Voilà, bazooka, épée, flingue, enfin bref. Voilà. Une unité à lui tout seul. Ah, ça c'est pareil, c'est magnifique. C'est les vacances. Je vais là encore pouvoir m'éclater. Voilà, deux belles maquettes à monter. Celle-là, ça faisait un petit moment que, voilà, que je la voulais. J'ai longtemps hésité avec le MG, comme je vous le disais, mais bon, voilà, j'ai eu de meilleurs retours par rapport à la version RG que MG. Donc voilà. Ça, c'est vraiment du très beau cadeau également. Et oui, ma petite femme m'a vraiment énormément gâté. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis très gentil. Allez savoir. Et voilà pour terminer, donc petite photo de famille et récapitulatif de mes derniers arrivages. Nous avons du Transformers, nous avons
trois comics Transformers de chez Vestron, nous avons un socle, nous avons le Gundam Aerial, nous avons le Pop Kevin version Kung Fu, nous avons donc le RG New Gundam, nous avons la Pop Batman et sa Batmobile, nous avons également la bande dessinée donc Goldorak du Transformers. Enfin bref, voilà de quoi bien commencer ses vacances. Voilà, c'est Noël avant l'heure et aussi donc de quoi, bien évidemment, vous l'aurez compris, vous faire plein de jolies revues, même si je serai un peu moins présent avec les vacances. Hein. Vacances oblige, on se repose avant tout. Donc voilà, je viendrai faire un petit coucou de temps en temps, vous faire une petite revue. Donc voilà, au moins vous avez une idée de ce qui vous attend. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, les nouveautés nouvelles du papy. Merci encore donc à mes boutiques partenaires, les éditions Vestron, Dynamite, Gunpla et Japanime Saint-Nazaire pour ces acquisitions. Vous retrouverez bien évidemment en description les différents liens les concernant. Voilà. Et puis, bah, d'avance aussi, n'hésitez pas, bien entendu, donc, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous en avez pensé. Vous avez l'habitude à présent. D'avance également, un énorme merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. Et s'il n'y en a pas, bah tant pis, c'est pas grave. Que dire d'autre, que dire d'autre? Eh bien, que dire d'autre à part vous souhaiter un bon week-end. Amusez-vous bien, profitez bien, surtout si vous avez la chance comme moi d'être en vacances. On se retrouve de notre côté très bientôt donc pour de nouvelles aventures. Voilà, d'ici là, je vous fais plein de bisous, amusez-vous bien, reposez-vous bien, faites bien la teuf. Mais surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais, en tout cas, moi je vous le dis, il y a du favoritisme ici. Il y en a que pour le papy. Ouais, un papy, il a trop de favoritisme. Ça, ça m'en prend. Ouais, pourquoi nous on n'a jamais de cadeau? Ouais, nous aussi on voudrait bien avoir des canons. Bah, c'est peut-être que personne ne vous aime en fait. Faut dire qu'avec vos veines pipi caca, il y a un moment où c'est un peu gonflant peut-être. Que? Tu crois vraiment que personne nous aime? Là, t'es dur, papy. C'est insultant. Ouais, ou un vizir. Eh ben voilà, la preuve. Encore une blague à deux balles. Allez, tchou les nains. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.